Dans la littérature des grandes maladies tueuses, les hépatites occupent le devant de la scène. 1,5 million de morts par an. La maladie a différents visages. A, B, C, D, E et G. Mais toutes ces formes ne sont pas aussi graves ni aussi répandues. Les hépatites B et C sont les plus meurtrières. Près de 400 millions de personnes sont porteurs chroniques de l'un de ces deux virus. On trouve la B essentiellement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est. Et la C, en Afrique du Nord, dans le sous-continent indien et également en Asie du Sud-Est. Le virus de l'hépatite C, qui se transmet par le sang, tue environ 500 000 personnes par an. Pas de vaccin et des traitements difficiles à obtenir. Avec plus de 5 millions de malades, l'Égypte, le Pakistan, la Chine, le Myanmar, anciennement la Birmanie, et le Nigeria sont les 5 pays les plus touchés. L'Égypte est un cas d'école. Dans les années 60, la schistosomiase, une maladie causée par des vers parasitaires, fait des ravages dans le pays. À l'époque, les médecins la soignent par injection. Le matériel, réutilisé, n'est pas correctement stérilisé. 7 millions d'Égyptiens reçoivent ce traitement en 30 ans. Hélas, certains reçoivent également le virus de l'hépatite C. Il se propage ensuite dans le reste de la population et aujourd'hui, un Égyptien sur 10 est infecté. Fin 2013, un médicament révolutionnaire, le sofosbuvir, arrive sur le marché. Son coût de production est d'une centaine d'euros, facturé aux États-Unis 68 000 euros et en France 41 000 euros. Pour soigner les malades français avec ce médicament, il faudrait dépenser l'équivalent du budget des hôpitaux parisiens. En Égypte, ce sofosbuvir coûte 1 600 euros environ. Soigner l'ensemble des malades égyptiens reviendrait à dépenser 5 fois le budget annuel de la santé. En somme, ce médicament miracle est un produit de luxe. Si son prix n'est pas revu à la baisse, seuls quelques privilégiés pourront se l'offrir.